Monsieur le secrétaire fédéral de Rakomaen, applaudissez-le avec force, pardon pour l'amour de Dieu. Un jeune bien. Oui, monsieur Sellou Diallo, merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, les femmes de Kolomado étaient empêchées. Oui, nous allons passer par une intermède musicale. Comme ça, nous allons passer le micro à l'artiste Grand Tapay. Grand Tapay, s'il te plaît. Grand Tapay sur la platine. Merci. Mais t'as pas rien dit. Son grand tapay. Il arrive. IFDG, vous savez, quand je dis IFDG, ça c'est pas à Thomas seulement, hein. C'est de Kassa à Yomou. Donc je dis IFDG, c'est tout le monde. IFDG, et à Thomas, merci beaucoup, tapay. Voilà, est-ce que ça va? On est dans le grand tapay. Alors, c'est la diable. Cette fois-ci, comme à Tapembe. Alors, la Welta Nicolo, ma elle, la Welta Nicolo, ma de la Welta Nicolo, ma trois. Quelle année, Oremon? Voilà. Alors, il y a du Tani. Voilà. Il y a un autre le son de but. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai dit la mienne, j'ai dit la mienne,
Merci beaucoup, Tapay. Il a mis du grand Tapay. Ouais. Moi, je lui avais dit de ne pas taper, mais il a tapé. On tape, oui. Vous voyez ce beau monde? Oui. Hey, les caméramans, de faire une photo pour. Hey, les caméramans, vous allez faire des photos. Voilà. Merci, mon ami. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Voilà. Section Polona 1, 2, 3, 4. Rappelons en entier, vous avez vu que mon faux. Vous avez vu que vous avez vu. Voilà, vous êtes avec grand Sapa. Merci, Tapa, le grand artiste. Tout Koloma est salué, on n'oublie pas. Dar es Salaam, Dar es City, on est ensemble. Merci beaucoup. Après Tapa, nous allons donner maintenant le micro à Master Alex. C'est l'intello des artistes guinéens. Master Alex, s'il te plaît. Master Alex sur la platine. L'artiste Amadou Larou se prépare. Master Alex. Sous la version de la crépette. Vidéo. Rappelez-moi, j'espère bien qu'on est content, n'est-ce pas? On est content! Alors on applaudit la Thomas. La salle, elle est bourrée. Elle est bourrée, elle est pleine comme un œuf. DJ, DJ. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Rotoma? Est-ce qu'on est ensemble? C'est le d'aller ou rien? Cette fois-ci, c'est le d'aller ou rien? Bébé, hop, qui n'est nous l'imignotine? Bébé, on le manda, on le rang. Bébé, qui n'est nous l'imignotine? Bébé, on le manda. Ok. Ma sœur Alex Loyer de Guinée, sous la version de la carte. Stay with me, my brother. Let me show you my love.
Vive le président Issou Fofana, le patron. Nous sommes fiers de vous, excellence. Merci, Master Alex. Merci, mon ami. Et nous allons continuer toujours notre assemblée générale. Après les artistes, nous allons maintenant faire appel aux intervenants, nos locuteurs en langue. Nous allons commencer par Madame Camara Ramatoulaye pour son intervention. Madame Camara Ramatoulaye, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort. Elle est brave, une véritable combattante. Madame Camara. Allô? IFDG. IFDG militante. Anna militant. Assalamu alaikum. Comme ça? Oui. Oui. IFDG militante, Anna militant. Assalamu alaikum. Awa. Ambara si kaira tele kaira ka adam mahala mo kera. Anna nila demen nabi akundo konuma alama dirama. Woro la Guinée jama ambe kalon. Jani changement meike. Essence litre kelen terema irala fran watan kelen. Bibi mendo ankalon. Essence litre kele yema irala fran watan fila. Jani changement meike. La Guinée jama be kalon. La Guinée jama tere bon samana kolema. Bibi mendo. La Guinée jama bara bon sama akoma. Ako barate minadiata la boutou. Jani changement meike. La Guinée jama be kalon. Ko sariya traite saila politicien numa. Bibi mendo. Sariya baratam bijuya la. Jani changement meike. Anna politicien nu terebila la kasola. Bibi mendo. Anna politicien menui kasola wolukasia katambi koromanka. Jani changement meike la kobila dendi nota la moerere anyero mendobi ni afeka don fonction public la menye mansayala foi kali kurana la nota yi sen bibla nota ila IFDG militante na militante nye anyambolo de nyombolo sa ha anyi anna president na wa sekuturea wole wassalam madame Camara Ramatoulaye, merci beaucoup. Très bien, après madame Ramatoulaye, nous allons maintenant passer le micro à monsieur Mamadou Oido Bari, président des sages de la fédération de Rakoma 1. Salam alaikum, monsieur Doido Bari. Merci beaucoup. Ça va, on sera bien. On applaudit. Oh, Ota. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En torika Allah subhanahu wa ta'ala. En fottido e jam moƴƴere. Yo Allah hewtintino en kamede en jam moƴƴere. Koko adden do ko fila magol Alhaji Sellou Dalen Diallo en toriki Allah yo Allah tawnu en baa waday pellet yo Allah tawne laama Alhaji Sellou Dalen Diallo ara ye weltani ga jama on woni suddi be woni duhi be woni mawben e weltani ka fofur tuube sonnaabe meede e weltani ga sonnaabe muradu mojuru e weltani ga sonnaabe muradu mojuru sabu hondum hiden andi enen be worbe do fop e yalto en ittu koje si yaltuden en accibe baaw kono ko hewten non ko yejjute den tawden be yiwtiri baaw men kadi be ari hide weltani be Allah korbe ko wori barki hara ye weltani ke federation ratoma en on en weltani ke be muradu mo juru tiji buu fejji do kono enen kadi fi meden luttay ka wawle ka sakki do de nyalaande de hitande do hara ye weltani ke section jidin ka federation ratoma en fu en weltani ke comité de base jidin
kon non be inna ci legal hebi jalli yo ngal weltor dadi di hande simi dari kemi wawli do ko barki Allah ko lo made ha hewti comité de base kaka on mido weltani be elke kaka no ga wala harayi do weltana muradu mo juro harayi ko addi en do kon ko holluden nane kon ko filama golla gine ngara do fi anyu gol goddo hidem fala yo aduna on fow mojju kono dem fala ko lagine do yo mojju enen kadi e tawne me en ala ko lagine ala sina horebe nundube yidambe jama on goydani hore mon gogen torki Allah yo Allah arsi ko lama gol ala jisel lodale jallo ala ko en ala haray non e der mudun don andi 5 septembre wetu e wetu no do hobbe go ari be wadi discours la bado be weltini en ha sikkuden hande gade be do fitunayi en gondi batte laamu nongu fejjunongu ko waduno kon ko wono ari ha saayiji godo webitike ndarama tawama woni gawlun bila amalin kongol le bawo kuude weltinobe ben fo hande wa i wasinin si ko hondu weltanino sabu hondun ko wowlano kon hunnaka fewndo be do arayno hari yimbe meden buyino kakaso e laamuji fejjunodi be akkite way kono hande si on darti kadi on taway wonnobe ka kaso ben fewndo be arata hande kadi hibe ka kaso si on dari wano fonike mangwe honto woni si on dari wano Ibrahima Diallo honto woni si on dari on tay wano leader be politique buy ben non foppino yalti ka leydi be susata artude ha rayi be wiuno ko justice o won tak ibla meden on ko justice on gollitirte joni non en der gollel golle justice ko yiwden kon ko wonno e laamuji fejjudi kon si en darti en taway dun do burti hen la ka jaggu yagal haray dun do fejjintinama ko dun non wadi si den hollude jama on ko hondu wawata folinte en ko si en fotti si gangal portal gal wadden do en fuddino ke e lebbi ha woni duubi hede wakkilade beyde wakkilade wakkilare ko kafa Allah ka mettata pellet hede wotindini Allah ko goto Allah lammina Allah jisello ko Allah tullamminta oni ala de ngandi beji den be arno be inni kambe joni haray ko fuddi tagol fi leydi din sifas ma wadano do on wote pi sifas ma fudda lagine do ko bondi to wona wadede fera beton je wadano de den fow ko nyolde kambe joni be fuddi to jon non e der fuddi tagongol nyande be arayno lagine do be od nyande be arayno do 5 septembre tay litre essence ga meden lagine do no yeye de 11000 francs dun ko guluji no gaye didi wobbe nata wobbe inna guluji no gaye didi awa guluji sappo go nokeligo ko innata ko nogay didi joni non hande ka wondo hino yeyede guluji sappo didi litre goto essence 12000 francs joni hari fewndo be do arata ari ka famiji nyallal gotal saginta labi didi ma labi tati hari biddo ma lando to si o hari joni non alanda ta ko si hari ko lando da ko si nyami est ce hari sansuma wadi sansuma ngo wadali hande su futro hewi ay ni biddo ma yaltata on nangondiray biɗɗo ma on marnoɗo feere hande feere nde lanni tawi ñande o ade fay tew sa heɓal tew yontere kala bete a heɓay tew ma lewru kala heɓa tew joni tew ala heɓade ɓiɓɓe ɓe watti heɓude ka yaati ko sodanaɓe koyngal dammol watta ɗon fin ton so futuro hewi ayno yaltata on fiiray ka saabu sattede nden en torki Allah yo Allah hoynan en joni non jama laginen fo hino andi hino fottani jaɓuɓe gonga ɓen woni julɗo woni mo wona julɗo hino fellita alaji selludale Diallo ko mokko ba yawa yon andu laamagol alaji sellu ko sa yon heddi kono ko pellet wano holorɗen non Allah ko goto alaji sellu laamoto lagine joni non en wakkilino keneɓi en fuɗɗino ke en soppi ka guesa en sunni en hoosi en sanki ha e wayi ha e waro kon unama hande kadi lutti nokkugol tun soora wota yiltitor ɓawo yiltitorɗo ɓawo woni say FDC ko ha poma wona fi ñande wotere haray si haala ka juuti on accay hakke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim sallallahu alayhi wa sallam par exemple la mode de un bon discours applaudissez pour monsieur Boydo Boydo Paris Ratoma merci merci s'il vous plaît avant de passer la parole à mon ami Alseni Camara je voudrais quand même m'acquitter d'un devoir celui de présenter la grande famille de notre secrétaire fédéral de Ratoma 1. Notre secrétaire fédéral, M. Sellou Diallo, sa famille est là. Notre chère maman, elle est présente parmi nous. Son épouse est là, ses frères, ses enfants.
Donc je demande à ce que la famille se lève pour qu'on puisse quand même l'acclamer, l'applaudir. Nene ake ake, yuma monsieur Selu Diallo, bangé jamao, quel est non, parce que des gole le faux, que ce comme on va dire des gole. On applaudit pour notre maman. Merci beaucoup. Madame également, Madame Diallo également et toute la famille, merci. Et maintenant nous passons le micro à monsieur Alseni Camara pour son allocution. Et Camara, merci. Assalamu alaikum. Vive l'UFDG. Vive l'UFDG. Vive la cellule de l'Indalo. Vive la fédération de la Toma 1. Vive monsieur le fédéral, un jeune très brillant comme demande d'applaudir très très fort. Merci, mille merci. Vive le secrétaire général de la section. Avec votre permission, je vais prendre la parole puisque je suis le plus jeune parmi les secrétaires généraux de Ratomahan. On vous demande une fois encore mille merci d'avoir pensé à ma modeste personne, d'intervenir au nom des secrétaires généraux. Vive l'UFDG. Bon, on a fini Rakatora, Mungé, Moubabé, Moutari, avec la permission de responsable de l'UFDG. Dans Alsen Camara, secrétaire général de l'UFDG de Ratoma Centre. Mais on a été fait général Nambilingilira. Alors, on a eu un maï, Taoukoui, Fédana, Naïlari. Fédéral, on a eu une refondation. Nous avons une soi-disant refondation. Parce que ce n'est pas une vraie refondation, on a un peu fait pour qui. Ben nous CNR de Rafa, on a tourné mon toit, le bec Nabarouki. Et tout ça, on a un carré Sénat, fait Tongo. Et là, nous, on va prendre la justice comme la boussole. Nassimbe justice, on a un peu de temps. 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 On a un peu. Donc, il y a une justice dans sa nefée, à sa remise en main, alors il y a des politiques de Tongo, il y a des activistes de la société civile Tongo, il y a des gens qui ont été en train de se faire, et il y a des gens qui ont été en train de se faire, et il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, il y a des braqués en main. On va dire, est-ce que le changement est là? Le changement est là. On va dire, monsieur Massende, on a l'accès à la fonction publique, et la loi 028 Tongo. On dit que les gens ont l'accès à la fonction publique, soit par le titre ou bien par le concours. Si nous sommes là, nous n'avons pas de tibore, puisque nous sommes là, on a tourné, mais quand nous sommes là, nous sommes fonction publique. À ce concours, nous organisé. Et nous concours à organiser. Comme nous sommes là, 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 nous. Kata mune rari libe, isigabe la sira na bukima, ina kanta wali mwana CNR debe, imi malima wali fira. Ima ninala bananu yagi kote, neti mababaga yagi, ube neti mangaga yagi. Unakole febri, agiriji esamu senana. Unge nere nabe, ande nabe, kayajine nera, irade bagi agarande mwalfe. Mantoli bebe, anajire na ma. Donk muna mwana unge, wetana noma muyalande. Andena to bena bandero watema uya atundero watema si amana ribebe fonga si asama kitimati akata tebebe agrigi esansiona na ileri trans bede rafa esansina onyira 11,000 ena ombe a refondation etofa na refondation ko esansina mate 12,000 to mosansa fe 12,000 gara in transport ngo ileri transport ba findi alo ga kindi atongo na nu na 30,000 ileri ba ra fini 60,000 la donc ya une augmentation de 100%. Nabaraba. Donc on dit toro ri. E bara toro, on va faire qui bara toro. On ne va pas faire de mort on va partir à faire IFDG. C'est un parti transversal. Il y a IFDG mato. Si lui n'a pas puis dans un fait qui se sera n'entendra. Quoi aka. Mais depuis ce il parti je vous demande d'applaudir très très fort. On dit mais il fallait maintenant fouler un parti, ça n'est pas parti, mais où est. Moi j'ai suivi toutes les étapes de ce parti. Monsieur le fédéral Anabé, il est témoin. J'ai été d'abord président du comité de base, j'ai été secrétaire général aux affaires électorales au niveau de la section, j'ai été secrétaire général par intérim, et j'ai été secrétaire général
fédéral à Colombe, n'a pas un tant de milliers d'objets, j'ai fait plus match mouna, il n'y a pas match. Puisque Raoul m'a fait un gauma, après la fête, il y a un sénéraki. Mais il y a des gens qui sont en train de se faire, mais il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, vive l'UFDG. Vive l'UFDG. Vive l'UFDG. On a fait dans un moment, on a président, il a salué dans l'Indialo. Alors, ça a été la femme. Alors, ça a été la femme. Mais ça a été la fille, maman. On a la fille, maman. Alors, la Toma 1 n'a pas été quitté. Vive la Toma 1. Vive la femme de la Toma 1. Vive la femme de la Toma 1. Alors, na fala kiana na karibiran fe. On a na fala. On bala umma mantole fala nge na umma. Donc muna wana fala de on biringa du roto. On a fala comité de base. On a fala section. Awa ma laisse le rasla sa autoria fo on a du roto ne. On muna bangira de on a fala na UFDG. Ya ma se mana tu te mets dans les structure du parti, n'a pas de manière de partir à Géni. N'a pas de manière littoral n'a pas et le littoral, les trois quartiers, c'était un peu difficile. Mais cette fois-ci, élection législative, n'a pas 4 février, au niveau du ratement, le littoral, lui a déjà pu gagner dans 7 bureaux au niveau des 10. Donc on vous demande un applaudissement pour lui a déjà. Merci, merci. Merci, camarade, camarade, camarade. C'est du camarade. Très bien, vous voyez, ces braves dames, ces braves femmes, tout à l'heure, on les a annoncées. Mais elles se préparaient en coulisses. Dieu merci qu'elles sont là maintenant devant nous. Très bien, nous allons maintenant suivre cet intermède musical. Vous voyez, ce sont les gardiennes de nos traditions. Une troupe composée que de femmes. Aucun homme parmi elles, regardez. Donc tout à l'heure, elles vont faire ce qu'on appelle la Guinée welcome, Kosadi Kotoli, Wonu Wali, Wonu Sene, Anibara, Kamama, Kamama. Merci beaucoup. Merci. Allô, allô, assalamu alaikum, djulbe Allah. Haray, atana men hakke yandi baba be amen nene be amen wambe ga ko digitu ye jembi namu men on. Haray to goto seyti yandi sabi Allah ko fiye lamu. Aywa. Lamu buri lamu ngongo. Selure. Oyanala. Be selula. Allah yo selula mo. Allah yo se lulamo, 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 Allah yo se lulamo. Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, puse, 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 Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, puse, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo. Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, Allah yo se lulamo, puse fiela, puse bao, puse bao, Allah yo se lulamo, puse fiela, mire en goto goto. Allah se lulamo, Allah se lulamo, Allah se lulamo, Allah
Mi ari uragol, mi ari uragol, mi ari uragol, mi ari
Nyande fala mi ya de selu mi wala tamina no ta ko selu onjara albarka albarka bui applaudissez pour la fédération de Ratoma ka la femme de Ratoma la femme de Coloma 2 c'est du no comment. C'est du no comment. Vous savez, quand c'est très bon, ça devient bonbon. Mais ce que nous avons vu ce matin, je vous dis que c'est du no comment. Merci beaucoup. C'est du bon, merci. Félicitations à la présidente de Ratoma 1. Et bravo, présidente de Ratoma 1. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Maintenant, l'artiste qui va introduire notre vice-président, président de séance, l'honorable docteur Fode Oussou Fofana, cet artiste a pour nom Amadou Larry. Amadou Larry, s'il te plaît, une manière d'introduire le président de séance. Amadou Larry, s'il vous plaît. Non, c'est du no comment, ce que nous avons vu aujourd'hui. Que personne ne s'arrête dans la salle, pardon pour l'amour de Dieu. Prenez place, il y en a suffisamment. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez prendre place. Occupez les chaises, s'il vous plaît. Amadou Larry, sur la platine. Larry. Président, c'est nous. Très bien, attendez, mon gars. Mouramenge, Sénato, Mouramange, Sénato, Obramane Geli. Très bien, c'est le futur président de la République de Guinée. Et là, c'est Loudalen Diallo, une question de temps. Vous allez occuper Serou Touréa. Inch'Allah. Merci beaucoup. Larry, veuillez prendre place. Pardon, ne veux pas voir des militants arrêtés. Pardon. Nous allons maintenant recevoir notre vice-président. L'honorable Fode Oussou Fofana d'un moment à l'autre. Mais d'ici là, veuillez prendre place. Tu parles français ou non? Alors, Ake, fi Allah, wonon ka djulle, fi Allah, ron setinari. Wo rakato, wo bilinga de rogonye, malaka fera, wonon ka gono.
gonyi mu manke wonyi ra ko IFDG wodo wolu gonyi ma monsieur Larry ou bien Larry l'artiste Larry n'est pas là. Oh Larry, tenez le micro. Merci. Voilà. Est-ce que ça va? Assalamu alaikum. Larry Salminion. Larry Hurricane. On diarama, on faut pas aller au Nenga. On faut pas aller au Nenga. Kogido maya takama, kogido ma ara takama. Kogido maya takamada, kogido ma nela naima. Kogido ma nodaima, kogido ma amanaima. Kogido ma fiya naima, kogido ma jala naima. Kogido ma mosa naima, kogido ma ndaraima. Kogido ma fiya naima yo, kogido ma amanaima. Merci.
Merci. Merci, merci au grand artiste Amadou Larry. Merci Larry, merci, merci, c'est gentil. Très bien. Et sans plus tarder, rapidement là, toujours il y a des locuteurs qui restent. Monsieur Morlaï Silla. Morlaï Silla, en 2 minutes rapidement. Monsieur Morlaï Silla. Vive Salibale Diallo. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est lui, président. Merci, mesdames et messieurs. Merci aux militants et sympathisants de l'UFDG. Merci d'être venus. Et comme vous le savez, l'UFDG est une force tranquille. On est debout. L'UFDG est un parti national. Nga kereng kina kama dimo di feri, alowa kereng kina kama morla isilana ra lanfan do kania, avocat international de son excellence Lazma Madise Libalon Diallo. Voilà, wa kereng 5 septembre na ndengi, mamadi bimbula pouvoir tongwene, ana wawungi, Alpha Condé wali kobwe na ganaba, atanfan mubule manama. Mais la question que je me pose, quel est l'objectif du coup d'état de Mamadou Doumbouya? Parce qu'on a été exilé politique et nana. Il a été détenu politique et nana. Et la refondation de l'État Falawembe, je me demande, où est cette refondation de l'État? Donc, militants et sympathisants de l'UFDG, auquel ils ont dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est l'Oudalan Diallo fin de Manila Guinée. Président, et ça c'est pour bientôt, Inch'Allah. Donc c'est pour vous dire, si quelqu'un pense ou un groupe pense que qu'on pourra organiser les élections en Guinée sans l'UFDG ou sans Libéré Diallo, ce groupe ou cette personne se trompe. Le combat doit continuer. Merci beaucoup. Merci Sillaï, Sillaï, Sillaï. Merci beaucoup, monsieur Morlaï Silla. Bon, nous allons maintenant entamer la rubrique des annonces rapidement. Monsieur Aladji Aliou Diallo, communicant, fait le baptême de son enfant demain, 1er janvier, à Kobaya. Donc tous les militants et sympathisants sont informés du baptême de l'enfant de Aladji Aliou Diallo. Et en même temps, on vous informe que le vice-président n'a pas encore parlé. Donc veuillez prendre place et attendre. D'un moment à l'autre, nous allons donner le micro à notre cher vice-président, honorable et la docteur Fode Ousmane Fofana. Annonce toujours, nous informons les militants de l'UFDG de la naissance d'un prince sous le toit de M. Morlaï Silla, qui avait le micro tout à l'heure, celui qui vient de parler là. Morlaï Silla. Nous souhaitons longue vie au nouveau-né et santé de fer à la maman. Très bien, donc après cet intermède de musique, nous informons les responsables militants et sympathisants de l'UFDG que le samedi prochain, je dis bien samedi prochain, samedi 7 janvier, ce n'est plus 2022, mais 7 janvier 2023. L'honneur revient à la section Mota d'organiser l'Assemblée générale prochaine. Donc samedi prochain, c'est la section motard. Très bien. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer le micro au vice-président, l'honorable docteur Fode Ousmane Fofana, pour son allocution. On l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Alors, avant monsieur le vice-président chargé des affaires politiques, je vous prie de vous asseoir. Vous avez appris hier deux nouvelles. S'il vous plaît. Il dit que la presse reste. La presse. Moussa. C'est une lecture officielle. La presse n'a qu'à venir. La
Moussa. Merci. Alors, hier, vous avez suivi la lecture d'une déclaration du Quatuor, c'est-à-dire la nouvelle intercoalition composée de l'ANAD, du RPG Arc-en-Ciel et Allié, du FNDC politique et du FFP, cette coalition qui vient de rejoindre la Troïka qui redevient Quatuor. Je vous fais lecture intégrale de cette déclaration tout en vous épargnant les détails que je réserve à qui de droit. L'intercoalition constituée par l'ANAD, le FNDC politique, le RPG Arc-en-Ciel et Allié, ainsi que le Front des forces politiques FFP, tient à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de clôturer ses travaux à Conakry le 21 décembre dernier. Comme l'avait prédit l'intercoalition, ce dialogue n'a été en réalité qu'un séminaire d'explication et de validation des décisions unilatéralement prises par le CNRD. Comme ce fut le cas lors des concertations et des assises organisées auparavant par le gouvernement de la transition. D'ailleurs, le sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu le 4 décembre 2022 à Abuja, mesurant l'étroitesse de la base politique et sociale des participants à ce dialogue, les plus représentatifs étant exclus, avaient demandé instamment aux autorités guinéennes de tenir un vrai dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. À cet effet, ils se sont dit disposés à accueillir et faciliter ce dialogue dans leur pays si nécessaire. Force est de constater que la junte et son gouvernement ont méprisé la directive de l'instance suprême de la CEDEAO puisqu'ils ont continué à dérouler le programme des assises sans coup férir. Il faut craindre, en le déplorant, que cette politique de l'Autriche et de défi ne fragilise encore davantage les réalisations de notre pays, les relations de notre pays avec la CEDEAO et par voie de conséquence avec la communauté internationale. En tout état de cause, l'intercoalition réitère sa disponibilité à participer activement et de façon responsable au dialogue politique inclusif et conformément à la directive de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et ce, pour définir de manière consensuelle et indépendante les conditions d'un retour diligent et démocratique à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Conakry, le 30 décembre 2022, l'intercoalition. Bien,
Donc, on va vous faire lecture d'une autre déclaration dont je donne l'honneur au fédéral de Ratoma 1. Bien sûr, il faut dire grand fédéral. Bien, merci beaucoup. Union des forces démocratiques de Guinée. Fédération de l'Elouma. L'Elouma, le 28 décembre 2022. À monsieur le vice-président chargé des affaires politiques, sous couvert de monsieur le coordinateur des fédérations de l'intérieur. Objet, déclaration. Monsieur, le bureau fédéral de l'Elouma, élargi à toutes les structures de base du parti, vient par la présente exprimer au bureau politique national son indignation face à l'intervention sur mediaguinée.com de monsieur le maire de la commune urbaine de l'Elouma, Mustapha Baldé, qui s'est ouvertement attaqué aux propos du vice-président de l'UFDG, chargé des affaires juridiques et sociales, Dr Fodéoussou Fofana, qui, dans une sortie médiatique, a déclaré qu'aucune loi n'interdit à un maire d'assister à une assemblée générale du parti dont il est issu. Le bureau fédéral, tout en dénonçant l'irresponsabilité du maire, condamne avec la dernière énergie ses propos qui sont de nature à démobiliser et à créer la zizanie entre le parti et ses représentants élus. A rappeler qu'il n'est pas sa première faute. Il avait aussi, en 2019, sans consulter le parti et la population, solliciter la venue à l'Elouma du professeur Alpha Condé à un moment critique de l'histoire sociopolitique de notre pays, marqué par le lancement de la campagne pour un éventuel troisième mandat. Par conséquent, la fédération de l'Elouma fustige le comportement du maire et se désolidarise de toute action qu'il pose tendant à transgresser les principes et les valeurs du parti. Il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, et de surcroît au vice-président qui assure l'intérim du président. Par ailleurs, le bureau fédéral apprécie et partage la réplique de M. Joachim Baba Milimono, qui a déclaré, qui a recadré M. le maire Mustapha Baldé, tout en demandant de mettre de l'eau dans son vin. La fédération ne tolérera, surtout en cette période de transition, aucun responsable du parti ou autorité issue du parti qui tenterait de prôner autre valeur, autre directive que celle du parti et de son président. Elle réitère son engagement ferme à défendre les idéaux du parti sous la direction de son président Eladja Sellou Dalein Diallo. Veuillez recevoir, monsieur le vice-président chargé des affaires politiques, l'expression de nos sentiments distingués. Signé le bureau fédéral, le secrétaire fédéral, monsieur Alpha Saliou Poye Diallo, avec une ampliation pour la coordination des fédérations de l'intérieur, pour les 7 sections de l'Elouma, et pour l'intéresser lui-même, le maire fauteur de troubles, et une copie pour les archives. Merci beaucoup. Merci, merci, M. Diallo Sonou. Sans plus tarder, nous allons maintenant recevoir M. le vice-président de l'UFDG, chargé des affaires juridiques et sociales, en l'occurrence, l'honorable Dr Fodéoussou Fofana. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs les vice-présidents, messieurs les responsables du parti à tous les niveaux, messieurs les maires de Ratoma ici présents, monsieur le dynamique secrétaire fédéral, l'imbattable, l'incontournable, c'est nous. Mesdames, messieurs,
Vous savez, dans des situations comme ça, il est difficile de tenir un discours. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai mis l'image du président Sélou, vous avez vu dans son regard combien de fois il était heureux. Je voulais donc profiter, et à son nom, remercier la Dynamique Fédération de Ratoma 1. Pour cette grande mobilisation, c'est une fierté pour notre parti. Ça se fait tous les samedis avec des témoins oculaires que je voudrais saluer, qui sont la presse, les journalistes, qui savent qu'aucun parti en Guinée n'est capable de faire ça. Ça, c'est pas l'UFDG, c'est pas tous les partis de l'UFDG qu'on a créé, c'est une fédération, la fédération de Ratoma 1. Je tiens à vous dire grand merci. Pour nous, cette mobilisation est un message que nous envoyons à ces leaders de partis politiques qui, dans leur rêve, pensent, puisque c'est ce qu'ils souhaitent, qu'on va certainement éliminer ces loups, on va éliminer l'UFDG pour qu'il puisse gagner quelque chose à ces élections. C'est un message à ces partis politiques qui pensent que maintenant le compteur est à zéro, que ce qui était hier n'est pas aujourd'hui, que tous les partis sont au même niveau, qu'aucun parti n'est supérieur à un autre. Je vais vous le dire clairement, et ici et maintenant, devant la presse, le dernier résultat que nous avons obtenu, c'était en 2020, avec des preuves à l'appui. Parce que nous sommes parvenus à faire notre centralisation incontestablement. Même M. Alpha Condé savait qu'il avait perdu les élections en 2020. Ce dernier résultat, c'était 52-53%. Je dirais bien 53%. Ça, c'est en 2020. De 2020 à maintenant, je vais dire à ces leaders qui passent dans les radios, qui sont allés au dialogue, prendre des primes, on m'a dit 2 millions, prendre des sandwichs, prendre du jus, imaginons que parti égal à parti, je vais le dire ici clairement. Si en 2020, l'UFDG, c'était 53%, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 65%, incontestablement. Aucune élection ne sera organisée sans nous. Et notre participation à ces élections, je le dis ici, clairement et nettement, pour que ce soit très clair dans la tête de tout le monde, il n'y aura plus jamais de second tour dans ce pays parce que nous allons remporter dès le premier tour. Pour nous, terminer l'année avec une telle mobilisation, c'est le message que nous avançons. Parce que le discours du CNRD est très clair. Le président du CNRD a été très clair. Il n'est pas candidat. Les membres du gouvernement ne seront pas candidats. Les membres du CNT ne sont pas candidats. Et le CNRD n'est pas un parti politique. Ce qui s'agite, c'est les partis politiques eux-mêmes qui sont en train de passer par tous les moyens, prier, aller voir les Karamoko, prendre leur rêve pour la réalité, pour dire comment vraiment
on n'a qu'à éliminer Selou. Si on l'élimine, on est tranquille. Hey, Selou ne sera jamais éliminé dans ce pays. Et l'UFDG, l'UFDG participera à toutes ces élections. Si vous êtes sûr que vous êtes parti politique, si vous êtes sûr que vos résultats n'ont pas changé et que vous avez quitté 0,01% pour arriver à 2%, faites une assemblée générale, invitez la presse. Allez là-bas, si vous êtes sûr, allez organiser votre AG. Organisez. Nous sommes fiers de vous. Je voudrais encore, monsieur le fédéral de Ratoma, vous féliciter. Féliciter le vice-président chargé des affaires politiques pour cette initiative qui consiste à créer l'émulation, une compétition entre les fédérations. Le vendredi prochain, le samedi prochain, ce sera la section motard de l'UFDG. Ça va être encore être très clair. Je voudrais ici, à votre nom, remercier cet homme, Elhadj Faya Touré, qui est vice-maire de Ratoma. Un homme de conviction. Un homme engagé, un homme qui, depuis des années et des années, croit au président Selou, croit au projet de société du président Selou. Ce que je vous souhaite, doyen, c'est d'avoir encore la santé, la longévité. Et très bientôt, vous verrez votre ami, votre frère, le président Selou Dalein, à la tête de ce pays. Et devant vous. Je voudrais aussi remercier les efforts louables de la cellule de communication, le pôle, notre pôle digital, pôle audiovisuel, pôle multimédia. Remercier et féliciter M. Ousmane Bakayoko, M. Bilo Sall, M. Amadou Bailo Savani, M. Moussa Kamara, M. Amadou Djulde Diallo. M. le vice-président, je veux aussi féliciter la sécurité de l'UFDG. Féliciter le comité d'organisation de nos AG. Féliciter les différentes fédérations de l'UFDG de Grand Conakry. Vous avez suivi tout à l'heure la déclaration du coordinateur Joachim qui vous a dit que nous avons été rejoints par une coalition, les forces politiques, c'est les forces, le front des forces, voilà, le front des forces politiques. Je voulais les saluer ici au nom du président Selou et dire combien de fois nous sommes fiers de la confiance qu'ils ont placée à l'intercoalition pour nous rejoindre. Je veux saluer le président du PPD, qui est le coordinateur, M. Boakar Diallo, M. Ibrahima Souri Conté, Joseph Tamba Mansaré, Ibrahima Soare, Abdul Karim Diawara, Omar Magasuba, Pierre Fofana et Kekura Biabouji. Ils sont tous présidents de leur parti politique. Je voulais aussi vous informer qu'un parti politique, les partis des écologistes, le parti vert,
décidé de rejoindre la NAD pour mener le combat avec nous. J'ai suivi sur les réseaux sociaux l'intervention de Madame Madeleine Diubaté. Mais je vais dire à Madeleine Diubaté que personne n'a parlé d'elle. Elle n'était pas à la réunion, on n'a pas pensé à elle, on sait qu'elle a démissionné depuis longtemps. Ceux qui sont arrivés n'ont pas dit qu'elle est la présidente des partis des écologistes. Donc elle a réagi sur Africa Guinée, je vais la rassurer qu'on n'a pas dit son nom. J'espère que si elle doit faire la politique, elle va faire la politique comme elle veut. Nous n'avons aucun problème par rapport à ça. Maintenant, militante et militant de l'UFDG. Nous venons de loin. Depuis 2010, nous sommes en train de nous battre pour faire du président Sélou le président de la Guinée. Vos efforts ont été couronnés par un succès incontestable en 2010. On ne revient pas là-dessus parce que la preuve a été donnée. Ceux qui regardent l'écran, quelqu'un a dit clairement et nettement que le président Sélou avait gagné les élections en 2010. Je vous ai dit qu'il a accepté pour la paix, pour la Guinée, de renoncer à sa victoire. Nous avons aujourd'hui une pensée pour nos morts, pour nos jeunes, à commencer par Jacaria et tous ceux qui sont enterrés au cimetière de Bambeto pour l'insertion de la démocratie dans notre pays. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont été victimes de pillages, qui ont perdu des maisons, qui ont perdu des boutiques, qui ont perdu des véhicules. Pendant ces 10 années, pendant la gouvernance de Michel Fakonde, nous avons souffert. Mais vous êtes restés là, mobilisés, derrière le président Sélou. Et vous vous êtes battus pour prouver en 2020 que l'UFDG est encore le plus grand parti. Nous avons une pensée pour ces militants, pour ces hommes engagés, ces hommes fidèles, qui se battent à longueur de journée, qui se sont battus, qui ont perdu la vie. Nous avons dans cette salle, les parents de ces victimes sont là avec nous. C'est nous ici présents, fédéral de l'UFDG de Ratoma 1. Sa maman est dans la salle que je voudrais saluer ici, qui accompagne son enfant, qui est responsable au niveau d'un bureau de la section. Ça, c'est la preuve formelle que l'UFDG est un parti. Quand on parle de parti, on parle de militant. C'est ça aussi notre fierté. Nous ne pouvons pas mener tout ce combat et nous décourager. On doit continuer à nous battre, à prouver que nous sommes dans ce parti, parce que nous sommes des hommes de conviction. Ce qu'on ne peut jamais avoir, que des milliards ne peuvent pas avoir, c'est la dignité. Il ne faut pas qu'on se décourage. Il faut persévérer. Le président Sélou, croyez-moi, il sera le président de la Guinée incontestablement. Il ne sera pas pour faire du tort en Guinée. Il ne sera pas pour se venger d'un Guinée. Il le fera, il sera le président pour réconcilier les Guinéens, pour mettre les Guinéens au travail. Ceux qui ont quitté, qui nous ont quittés, qui nous ont abandonnés, qui ont quitté le parti, allez les voir, regardez-les. Quand vous les regardez dans la rue, ce qu'on ne peut pas avoir, je dis, ce que les milliards ne peuvent pas avoir, c'est la dignité. C'est ce que les peuples appellent l'imanou.
tu as perdu ça, tu as tout perdu. Si tu perds ce qu'on appelle l'imanou, tu quittes pour un poste, pour de l'argent. Tu peux peut-être avoir de l'argent. Tu peux peut-être avoir une voiture. Tu peux avoir un garde-corps. Tu peux avoir un titre. Mais tu vas perdre l'élément essentiel de ta vie. L'élément essentiel de ta vie, c'est que tu ne peux pas regarder les autres en face. Parce que si tu les regardes, tu baisses la tête. Parce que tu auras trahi. Nous devons donc nous battre par tous les moyens pour rester constant. Gardez ce que je vous dis là, gardez ça, ça vaut des milliards. On appelle ça l'imanou. Parce que c'est ce qui nous permet demain de nous regarder dans le miroir. Pour que demain les enfants puissent être fiers de nous. Que les enfants disent oui, je suis, c'est Kalamodou qui est mon père. C'est Bano qui est mon père. C'est celui qui est mon père. Que ces enfants-là disent demain, Fodoshi est mon père. Ça vaut des milliards. On ne peut rien monnayer par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes là. Tous ceux qui sont là, les Gongorés, vous pensez qu'il est là parce qu'il veut être ministre? Non. Il est là parce qu'il est convaincu. Il sait que ce qu'il demande au président Sellou demain, s'il est présent, que les Guinéens soient réconciliés, qu'il n'y ait pas d'injustice dans ce pays. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous sommes derrière le président Sellou. C'est pour ça que vous ne devez pas vous décourager. C'est pour ça qu'on a tout subi. Même si on continue à nous faire subir tout, il faut qu'on soit là courageux. Parce que le président Sellou nous a montré le chemin. Il nous a montré que c'est un homme courageux. Vous l'avez vu dans les véhicules. Il a été gazé. Il a tout subi. Qui n'a pas vu le président Sellou avec les militaires sous l'axe en descendant quand on nous a gazé? Vous avez vu, vous avez assisté à tout ça. C'est un homme digne qui nous a passé ce message. Il faut qu'on soit solide et continuer à se battre, continuer à réconcilier, continuer à convaincre les Guinéens, que personne ne se décourage. Je sais, l'argent ne peut pas prendre des militants du FDG. Il y a beaucoup parmi vous, s'ils voulaient de l'argent, ils seraient déjà partis. S'ils voulaient des postes, ils seraient déjà partis. S'ils voulaient des voitures, ils seraient déjà partis. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas proposé. Mais vous êtes restés constants. C'est ce qui fait du parti, c'est ce qui fait l'UFDG le plus grand parti de la Guinée. Qu'est-ce qu'on n'a pas proposé? Mamad Alpha, connu, s'il voulait partir, il n'y a pas ce qu'on n'a pas proposé. Mais il a préféré ce qu'un milliard ne peut pas avoir. Je le répète, les peu disent ça, l'imanou. Si tu as l'imanou, tu as le paradis. Parce que c'est le l'imanou qui te permet de rentrer au paradis. Si tu n'as pas l'imanou, tu ne gagnes rien dans ce monde, mais tu ne gagnes rien là-bas. Parce que si tu n'as pas l'imanou ici, la destination que tu as, c'est le paradis. Parce que tu vas faire ce qui est interdit. L'enfer, je veux dire. Donc, je voulais vous passer ce message. Et vous dire que les élections vont être organisées. On a dit 2 ans. On peut tout nous reprocher. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas aller au dialogue. Jamais de la vie, nous n'avons dit qu'on ne va pas au dialogue. Ce qu'on a demandé, nous voulons un dialogue structuré. Nous voulons un dialogue organisé. Nous voulons un dialogue conformant à l'article 77 de la charte, qui dit que c'est le CNRD et les forces vives qui doivent se retrouver. Nous ne voulons pas un dialogue avec 300 personnes. Nous ne voulons pas un dialogue où on va nous donner 2 millions. Non, si nous arrivons au dialogue, même si on nous donne des primes, on ne prend pas. Quand vous arrivez au dialogue, vous aimez la Guinée.
vous êtes autour de la table. Si on vous donne des primes, vous refusez de prendre des primes. Il faut dire, je ne suis pas venu pour les primes, nous sommes venus pour la Guinée, nous sommes venus pour dialoguer. Dès que vous prenez des primes, 2 millions par jour, est-ce que vous êtes là-bas pour les primes ou bien vous êtes là-bas pour le dialogue? Si vous aimez la Guinée, vous allez dans un endroit, vous travaillez. Nous avons demandé à ce qu'on se retrouve, qu'on dialogue. Dialoguons. Donc, nous sommes disposés à dialoguer, mais dans un dialogue structuré. Vous avez vu, la CDAO a demandé un dialogue inclusif. Nous restons derrière ça. Je pense que la raison sera là un jour. On va nous appeler autour de la table, on va se retrouver et puis nous allons dialoguer. Vous savez, le président Sélou aime l'UFDG et l'UFDG aime le président Sélou. Et je vous ai dit que le président Sélou et l'UFDG sont indissociables. UFDG, Sélou, Sélou, UFDG. UFDG plus Sélou, Sélou plus UFDG, c'est la même chose. Le président Sélou et l'UFDG, c'est un pantalon avec deux poches. À gauche et à droite, ça t'appartient. Nous appartenons au président Sélou, le président Sélou nous appartient. Monsieur le président, je voulais vous passer la parole. Monsieur le président, vous êtes là? Qui veut écouter le président Sélou? Qui veut l'écouter? Qui est prêt à écouter le président Sélou? Le président. Donc, je préfère que le président lui-même vous souhaite bonne heureuse année. Monsieur le président, vous êtes là? Vous êtes là? Allô? Est-ce que vous êtes là, monsieur le président? Les militants me chargent de vous dire, monsieur le président, que vous êtes incontestablement le prochain président de la Guinée. Ils sont là en grand nombre et ils veulent vous écouter. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur le président. Oui, je suis là en ligne, je vous entends. Et je suis très bien. Pour venir marquer encore une fois leur fidélité et leur attachement à notre grand parti. Nous sommes le 31 décembre, tout le monde est dans les préparatifs de la fête, dans des conditions difficiles, je le reconnais, mais tout le monde est venu quand même. Je tenais à leur adresser mes sincères félicitations depuis Dakar. J'ai vu la salle. Et je suis vraiment très, très fier d'être le président de l'UFDG. C'est un parti dont la capacité de mobilisation est sans pareil en Afrique, dont le poids électoral est respecté partout à travers le monde. Et quelles que soient les difficultés, que ce soit la pluie ou la chaleur, que ce soit les problèmes, les difficultés économiques aiguës aujourd'hui dans le pays, les militants de l'UFDG viennent toujours honorer l'Assemblée générale ordinaire. Je voulais les féliciter très sincèrement et leur dire à quel point je suis heureux d'être le président de ce parti. Et donc, je saisis l'opportunité, bien sûr, de leur adresser mes voeux de bonnes et heureuses années 2023. Que l'année nouvelle soit pour eux, pour leur famille. Que l'année nouvelle soit pour eux-mêmes, pour leurs familles respectives, pour tous ceux qui leur sont chers, une excellente année, une année de paix, de bonne santé et de succès pour eux-mêmes, pour notre parti. Merci. Merci beaucoup, merci l'honorable.
que yontelande ko section motar haray non la landi ne ben buyna haray artiste kat buyna en bitaro Ungalu selufe, ntarevote maselu nambe.